Bhujangasana, où la posture du cobra aide à renforcer les épaules et le dos et favorise la flexibilité du haut du dos ou la colonne vertébrale de la région thoracique. Allongez-vous à plat ventre et déposez les mains sur le tapis sous les épaules, les coudes bien serrés sur le long du corps. Appuyez le devant des pieds contre le plancher, contractez l'avant de la cuisse pour ne pas que les rotules touchent le tapis. Allongez le coccyx vers les pieds en contractant légèrement les muscles abdominaux. Rétractez les omoplates vers le centre du dos, puis vers le bassin. Tirez les coudes vers le bassin tandis que vous soulevez la poitrine vers le haut en inspirant, comme pour pointer le cœur vers l'avant des épaules. Redressez le haut du dos en maintenant le cou allongé. Gardez les abdominaux contractés afin de maintenir la posture. Évitez de comprimer le bas du dos en gardant le coccyx pointé vers les pieds et le sol pendant que la poitrine se soulève. Maintenez la longueur dans le bas du dos. Inspirez, poussant la poitrine vers l'avant. Expirez et détendez-vous en ramenant le front au sol.